vous en arrivez à dire des bêtises. Je ne suis pas responsable de ça, moi. Je vais pas suivre votre mouvement qui consiste à caricaturer, à simplifier au point de caricaturer et dénaturer, et finalement passer pour un zigoto dans le sujet, alors que je ne suis pas d'accord avec vous. Et quand en plus tu te permets de venir me faire une réflexion et des critiques en plus public, c'est même pas un truc que tu m'envoies un message ou quoi, tu le fais publiquement en disant « Ouais, là tu devrais le dire au mec que c'est pas vrai, l'hygiène n'est pas permis, non, là c'est un avis, il a cité un avis qui était chaise, il n'a pas le droit, hein. » Bah, me fais pas des reproches. Que si moi je le laisse parler, alors peut-être des fois j'ai pas entendu, c'est pas arrivé aussi, hein, mais si je le laisse parler, c'est que j'estime personnellement qu'il a pas dit une connerie. Ou qu'il n'a pas dit un truc complètement ahurissant ou infondé. Et c'est juste que vous avez une vision, vous voulez tellement simplifier, parce que c'est beaucoup plus facile à combattre une idéologie quand on la simplifie. Et donc c'est pour ça que la dernière fois, on en revient à ce qu'on disait, si le but c'est créer du contraste pour du contraste, point barre, bah, t'embête pas à dire des choses vraies. Te fais pas passer pour un mec qui va être honnête, pour une personne qui cherche avec honnêteté à dévoiler les choses aux gens, puisque ton but, c'est le contraste pour le contraste. Ben, fais ton contraste. Dis n'importe quoi, on s'en fout. Du moment que tu crées le contraste, c'est l'objectif. Moi, mon objectif, ce n'est pas le contraste pour le contraste. C'est le contraste, mais de manière honnête, parce que je pense que ça servira toujours la cause d'être honnête dans cette critique plutôt que de ne pas l'être. Et comme vous ne voulez pas l'être spécialement, ou alors vous voulez vraiment, comme fast-food, ça résume un peu tout, c'est vraiment faire un truc vite, allez. Rapide, on veut un truc hop qui du trash, du voilà, un truc qui claque, qui surprend, qui choque, putaclic, un peu comme on dit, un truc vraiment waouh, tu vois, c'est bon, bah quand si c'est ça l'objectif, fais dis ce que tu veux, ouais, mélange des concepts, utilise un peu de terminologie pour faire genre tu connais, puis en fait derrière tu y mets des choses qui sont complètement fallacieuses, fais tes trucs, fais, bah moi je m'en fous, moi je suis pas la police des gens, ils font absolument ce qu'ils veulent, hein. Mais moi je m'inscrirai pas dans ça, en tout cas je m'inscrirai pas dans cette démarche là parce que je trouve que c'est pas honnête et j'aimerais pas qu'on fasse ça avec une idéologie, tu sais, ça, des fois c'est un peu bateau, hein. Ma mère elle m'a toujours appris, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Bon, bah moi j'aimerais pas qu'on critique une idéologie que je défends de manière fallacieuse, malhonnête, etc. J'essaye d'appliquer ça aux idéologies que je critique, voilà. Des fois, c'est pas plus aussi beaucoup plus compliqué que ça. Hein. J'essaye de pas être malhonnête dans ma manière de faire les choses. Ça veut pas dire que je peux pas faire me tromper, ça veut pas dire que je peux pas faire d'erreur. Mais c'est-à-dire que mon intention, c'est celle-ci. Donc, je vais essayer d'être précis, de faire attention à ce que je dis, à comment je formule. Et même malgré ça, des fois, ça ne va pas empêcher que je vais peut-être dire des conneries ou que j'ai pu déjà en dire, peut-être. Mais en tout cas, j'essaye d'être à la hauteur de l'objectif que je me fixe. Si c'est juste me présenter comme quelqu'un d'honnête, nanana, et qu'au final, dans les faits, dans le concret, je ne le suis pas, bah, c'est pas intéressant. Pour moi, ça me parle pas, ça. Voilà, exactement. Et j'aimerais finir par, si tu es intéressé, mater l'échange Tariq Ramadan et Amir, vraiment dans un but didactique. C'est pas pour dire « Ah, l'autre, il est fort, l'autre, il est faible », c'est vraiment de voir quels sont les arguments de Ramadan. Et comment est-ce que Amir aurait pu peut-être mieux faire, ou si nous on avait été à sa place, comment on aurait pu répondre? Moi, j'aime bien faire cet exercice. Je trouve qu'il peut être utile quand il n'est pas basé sur des intentions malveillantes. Est-ce qu'il y a un statut? Et en plus, c'est intéressant parce que pour le coup, Amir, oui. On peut pas. Pareil, hein, j'ai absolument rien contre Amir. Bien au contraire, mais c'est pas quelqu'un qui est novice, qui connaît rien. C'est quelqu'un qui a un bagage quand même, tu vois. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'ici, c'est quelqu'un qui a quand même qui a des bases solides, qui sait argumenter, qui raisonne bien, qui est intelligent, etc. Donc, on n'est pas d'accord sur tout, hein, sur plein de sujets, même peut-être politiques ou même religieux ou quoi, mais c'est d'autant plus intéressant parce que ce n'est pas quelqu'un qui est complètement novice, complètement perdu dans le sujet. Tout à fait. Allez, on commence. Justement, vous posez une question concernant quelle est la valeur des tafasir mu'tamada, par exemple Tabari, Ibn Kathir, Baghawi, et puis quelle est la valeur des ijma' fil fiqh, c'est-à-dire les consensus des quatre écoles sunnites. Alors, il faut être juste précis par rapport à votre question, je vais essayer de la reformuler, vous me dites si j'ai bien compris.
La première des choses, c'est quelle est la valeur que l'on peut donner aux différents commentaires du Coran, les plus classiques, où vous avez parlé de At-Tabari dans l'ordre, Ibn Kathir, je pense que vous pensez à Qurdoubi et tout ça, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Alors, par rapport à cet tafsir, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des tafsirs qui sont faits par des savants à l'époque dans laquelle ils vivent, à partir de deux sources. Le Coran lui-même, et puis ce qu'ils savent à leur époque, Bien c'est-à-dire la révélation de ce qui a pu être mis en évidence par X ou Y source. Et donc, il y a deux volets dans leur explication. Une valeur normative textuelle, c'est par rapport à ce qu'ils disent à l'époque où ils le disent, par rapport à ce qu'ils comprennent. Donc, ce sont des paroles sur lesquelles on peut s'appuyer, mais ça reste des paroles d'hommes. C'est-à-dire que ce sont des compréhensions humaines d'un texte divin. Ça n'est pas des textes, ce ne sont pas des textes divins sur un texte divin. Et donc, il y a, de ce point de vue, raison pour laquelle vous avez des commentaires du Coran qui, chaque siècle, je pense plusieurs fois deux siècles, vous avez des gens qui ont repris le tafsir du Coran, le commentaire du Coran, et sur le texte, et sur le contexte dans lequel il devait être compris. C'est-à-dire que vous avez un double contexte, hein. Vous avez le contexte dans lequel le Coran a été révélé, et vous avez le contexte dans lequel vous le lisez. Et le commentaire, il doit faire le mariage entre les deux. Et donc, de ce point de vue, il faut, encore une fois, comprendre que ce sont des commentaires d'hommes qui sont historiquement à considérer, même si il y a un caractère normatif dans certaines des explications qu'ils peuvent donner. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, parce que moi j'ai déjà discuté avec d'autres, on va dire, sachants. Je trouve qu'il y a une capacité à vulgariser Ramadan il est fort, tu vois, dans ce domaine-là. C'est vrai. Il a même une manière de formuler qui est très précise quand même. Donc là, ce qu'il dit, c'est parfaitement juste. Hein. Donc il y a ici, Amir parle de tafsir mortamada, donc les exégèses, on va dire, mortamada, hein, comme on disait tout à l'heure, on va dire Référent. retenu, référent, c'est voilà. Faut comprendre déjà cette notion-là. Il n'y a pas dans l'islam sunnite de tafsir qui. Comment dire, qui serait considéré de manière unanime comme étant, comme faisant autorité sur les autres. Il y en a qui sont prépondérants parce qu'on a reconnu leur qualité, on a reconnu tout ça, mais tu vas pas dire que ce que tu trouves chez Ar-Razi, c'est forcément moins bon, moins pertinent, moins truc que ce que tu vas trouver chez Ibn Kathir. Et tu vas pas trouver non plus chez les écoles quelqu'un qui dit, ah bah tiens, At-Tabari a dit, ok, d'accord, bon bah ça devient l'avis de l'école, ça marche pas du tout comme ça. Si tu vas voir les Malikites, tu leur dis Tabari a dit, ils vont te dire oh, bon, c'est très bien, mais Tabari chez nous, c'est rien. Enfin, c'est rien, c'est un exégète, etc. Mais ce n'est pas un moujtahid chez nous. Il n'a pas ce statut-là de moujtahid dans notre école, etc. Donc ce n'est pas parce que Tabari va dire un truc, ça y est, on se plie, on se couche et ça devient l'avis de l'école Malikite. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, oui, il y a des exégèses qui sont plus, on va dire, répandus que d'autres, qui ont fait plus. Qui ont été plus des références que d'autres dans le sens où ils ont été plus mis en avant, plus estimés, etc. Mais sur ce qu'est, comment dire, l'idée qu'il y aurait des exégèses qui seraient, en gros, qui invalideraient quasiment ou qui rendraient limite, qui feraient passer au second plan sur le plan de la force argumentative ou sur le plan de l'avis, sur le plan de la valeur de l'explication. Qui relèguerait au second plan d'autres tafsirs, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'unanimité du tout. Et c'est pareil chez par exemple, si on dit souvent Al-Bukhari, c'est le plus authentique après. Ça, c'est une parole qui est connue chez les sunnites. Al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Même sur ça, tu as eu des divergences. Tu as certains qui considèrent que c'était le livre qui était le plus important, ça devait être le Muwatta d'Imam Oh, Malik. c'est ça. Pour les maléquites, c'est une pas ils vont Donc, quand on enseigne des fois, ça aussi, c'est des fois une chose qu'on enseigne comme ça, parce que oui, effectivement, dans le monde musulman, bah, c'est sûr. On connaît beaucoup At-Tabari, on connaît beaucoup Ibn Kathir. Mais par exemple, en France, pourquoi on connaît beaucoup Ibn Kathir? Pour une raison simple, c'est le seul qui est traduit. Oui, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. tout. C'est Il tout. sera Et Ibn donc, Kathir mis en avant par les salafis aussi, donc Exactement. Mais en vrai, pourquoi si tu avais 5, 6 exégèses qui étaient traduites, bah, on ne parlerait pas tout le temps d'Ibn Kathir. Mais comme la seule qui est accessible en français, en PDF, machin, c'est Ibn Kathir, moi, tu vois que tout le monde, tu vois, dans tous les lives, et les gens ont raison, Ibn Kathir, ce n'est pas un truc à rejeter. Mais c'est pour dire, ce n'est pas parce qu'Ibn Kathir il te donne un truc dans son exégèse que tous les savants pensent comme Ibn Kathir, ou tous les savants ont expliqué comme Ibn Kathir.
où toutes les écoles sont d'accord avec ce qu'Ibn Kathir dit. Ça, ça vous devez assez rapidement à chaque fois, quand vous regardez les exégèses, enfin justement, ne pas focaliser sur une seule. Même si l'accès est difficile, justement, puisque beaucoup, comme tu as dit, ne sont pas traduits en français, je pense que la plus répandue et traduite, c'est celle d'Ibn Kathir. Il y en a une autre, c'est Jalalayn, qui est traduit en français, mais qui est moins répandu, moins accessible pour l'acheter. Je pense pas qu'il soit spécialement PDF. Et sinon, le reste, je pense qu'il y a Tabari en anglais, mais il est moins accessible. Mais tu as raison, il faut faire comme cet petit effort, en tout cas, d'aller consulter les exégèses, les moins disponibles, pour avoir une idée d'ensemble plus cohérente. Voilà. Si t'as l'occasion, alors peut-être soit maintenant, soit juste pour illustrer ce qu'on dit, il y a un site qui s'appelle eltafsir.com. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais très bien. Si tu sais pas, tu peux le mettre rapidement à l'écran ou pas, ça va nous faire perdre du temps, j'en sais rien. Si, c'est faisable, ça va être rapide. Voilà, il est là. Voilà, c'est bon. Eltafsir.com, voilà. Et tu peux mettre juste en grand le truc, aller un peu plus haut. Voilà, donc là, on a le Mufassirin, voilà, ici. Et on a différents types de tafsir, hein. On a le... C'est un peu, si j'arrive pas à zoomer assez. Oh, c'est pas grave, c'est très bien. C'est très bien comme ici, ça. Il y a Tabari, il y a Zamakhshari, il y a Tabrasi, il y a Razi, Qurtubi, Ibn Kathir, Baydawi, voilà, il y a Suyuti, il y a plein. Juste, sans même traduire, mais juste montrer la liste de l'ensemble des tafsirs, juste qui sont accessibles sur ce site-là. Par exemple, je ne sais pas si tu peux cliquer. Ils sont là. Tu peux cliquer, on ne voit plus à l'écran, ou c'est moi peut-être. Enfin, on voit que l'image, mais elle est fixe. Je pense que... Ah, tu peux pas... C'est ça, ça s'affiche pas de comme c'est... Attends, par contre, je vais essayer de faire un truc. Comme ça, c'est bien, comme ça. Ouais, comme ça, juste voir la taille. En fait, juste pour illustrer, voir la taille de la liste, juste sur ce site-là, des exégèses. Tu vois, quand tu vois, dans, par exemple, tu as Ummahat Tafasir, ou tu as Tafasir Ahl Sunna, par exemple, tu mets la liste, va sur Tafasir Ahl Sunna, juste pour... Donc, la Tafasir sunnite, on ne parle même pas des autres. Je ne sais pas si tu as l'occasion, là, dans l'onglet en haut à gauche. Ici. Attends, je vois pas. Où ça? Non, là, sur ta facette d'être sur la page, là. Tout en haut, où c'est marqué. Voilà, à gauche. Encore. T'es où, là? Je vois pas. Voilà, top, ici, là. Clique sur le petit onglet à côté. À côté. Juste à côté, à droite. Voilà. À droite, excuse-moi. À droite, donc, le Madère, c'est ça? Ouais, tu peux cliquer dessus là ou pas? Tu cliques dessus ça? Ouais, ça veut pas s'afficher. Ah bah sur la flèche, alors vas-y sur la flèche. Plus sur la flèche. Sur la petite flèche. Ça s'affiche pas, je pense, pour vous, ça s'affiche pas. Et pour toi, ça s'affiche? Moi, ça s'affiche pour moi, c'est ça. Donc là, si tu cliques sur Tafasir Ahl Sunna et ensuite, avec la souris, tu vas sur le Mufassirin en bas et tu as toute la liste. Et tu vas voir. Les gens disent qu'on voit la taille. Si, je ne sais pas si tu peux faire une capture d'écran ou un truc, juste qu'ils voient la taille. Ouais. Je vais essayer de faire une capture d'écran pour les gens. Illustrer ce qu'on dit, quoi, pour pas qu'ils... Ouais. Et ça, c'est juste sunnite. Hein. C'est juste sunnite. Hein. Là, tu as El Mawardi, El Barawi, tu as Ibn Atiya, tu as Ibn al-Jawzi, tu as Ibn Abd al-Salam, tu as El Nasafi, tu as El... T'en as plein, Abu Hayyan, t'en as plein, il y en a des dizaines, je sais pas ça. Ah, tu fais une capture, ok. Ouais. Excusez-moi, c'est juste pour illustrer ce propos parce que ça m'est venu en tête. Ça m'est venu en tête et. Non, mais parce que c'est important de moi. C'est vrai que c'est important de montrer aux gens que vraiment, pour le coup, on est limité dans le monde francophone, dans la connaissance, dans l'étude islamique. Et que justement, ce qui nous retient, c'est le manque de traduction. À tous les niveaux, d'ailleurs. C'est même pas que sur les tafsirs. Tous les niveaux. Par rapport au hadith, par rapport au fiqh, par rapport à tout ça, on est très limité, pour être honnête, et c'est très dommage, d'ailleurs. Après, j'attends que tu mettes la capture, mais après, juste pour dire aux gens, t'as le tafsir de Tafsir Ahl Sunna Soufia, donc les tafsirs sunnites soufis.
t'as des t'as facile en fait de différentes tendances, mais si on s'arrête juste sur Ahl Sunna, les sunnites, j'attends que je sais pas si t'arrives aussi à mettre la. Je vais la mettre continue. Voilà, donc juste pour dire, voilà, si je compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Ah, 21, super. 22, 23, 24. Il y a Rassoul qui me l'a faite. Merci beaucoup, Ah bah voilà, frérot. il y en a au moins 50, juste. Voilà, on va essayer de la mettre. Tac, tac, tac. Si on fait ça et qu'on fait ça, est-ce que ça va apparaître? Excellent, super. Voilà, c'est bon. On va l'afficher. Salut, la réponse. Voilà, c'est bon. Regardez. Vas-y, William, tu veux un peu présenter la liste? Alors, encore là, ça pourrait défiler encore. Hein. Mais juste Oui. là, tu vois, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, on a déjà 16 exégèses. Souvent, on cite toujours 2, 3, puis basta. Il n'y a aucune école de jurisprudence islamique qui dit nous basons notre analyse du Coran sur 4 tafsirs. Ça n'existait pas, ça. Il y a Donc la là, date à côté, tu vois, c'est intéressant de voir les dates, etc., exactement. les rédactions. Vas-y. Exactement. Et donc là, on est, là, on a. Et si on pouvait continuer la liste, parce que là, on ne peut pas dérouler, vous verriez qu'il y a au moins une cinquantaine de tafsirs. On est juste sur les sunnites, on n'est pas sur les autres courants. On n'est même pas parti chez les tafsirs sunnites, mais soufis. On a juste resté sur le sunnite classique. Les dates affichées, c'est les dates Après l'hégire. après l'hégire. Voilà, c'est Ah ça. ouais. C'est ça. Là, si par Oui, exemple, oui. si je suis sur les Ahl Sunna. Soufi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autres tafsirs, tu vois. Et si là, je suis sur la Salafia, bon, là, j'en ai deux, sur la Salafia, mais déjà 50 plus 10, ça fait 60, plus là, 2. Et ensuite, tu peux aller dans. T'en as plein d'autres, hein. Là, tu en as encore 7. Là, si je continue dans les autres branches. Là, c'est chia, bon, c'est encore autre chose, mais là, j'en ai chez les chiites, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est quasiment une dizaine. Bref, au final, quand tu fais toutes les. Juste sur ce site-là, vous allez trouver quasiment une centaine de tafsirs. Dont Exactement. plus de la moitié qui est juste sunnite. C'est-à-dire que juste sur les sunnites, vous allez en trouver 50, 60. Donc, tu te doutes bien que quand tu viens avec Ibn Kathir, traduction français en PDF, tu es loin d'avoir fait le tour, là. Hein. T'es très loin d'avoir fait le tour. Tu cites Ibn Kathir, c'est très bien. C'est pas du tout un rigolo. Il n'est pas du tout rejeté. Il est pris au sérieux. Il n'y a pas de problème. Ibn Kathir, il s'inscrit aussi dans une école. C'est pas un savant. C'est pas un mujtahid. C'est pas forcément un muhaddith ou quoi que ce soit. C'est un savant de l'exégèse coranique. Ok. Mais tu as cité un mec sur au niveau de la Oumma sur des centaines. Parce qu'en fait, des tafsirs, il y en a encore même plus que ce qu'il y a sur ce site. Mais là, juste sur ce site, on t'en cite quasiment une centaine. Et au sein du sunnisme, tu as cité simplement un mec, pas n'importe lequel, bon, je répète, on est bien d'accord, mais un exégète sur 50, 60 ou plus. Ah oui, après, pour être honnête, il y a des exégètes qui ont bien plus de valeur que d'autres. Par exemple, Tabari peut être considéré comme le maître des Moutassirines. Donc, c'est ça. Ou de musulmans. Bon, mais Yézam Makhchali, par exemple, c'est la référence en termes de compréhension linguistique des exégèses aussi. Et pourtant, c'est un mentaliste. Alors, c'est vrai qu'à Tabari, il a ce surnom, mais il y en a eu d'autres hein, qui ont eu ce Oui, surnom-là, comme on donnait des fois à certains le titre de Shirul Islam, et ils oui. sont des dizaines à avoir eu ce titre-là. Oui. Mais c'est vrai qu'à Tabari, c'est pas n'importe quoi. Tabari, c'est une grande référence. Mais malgré toute la référence qu'il soit, dans les Usul al-Fiqh, dans les fondements du droit islamique, on Ah apprend At-Tabari a dit, donc, fini. non, Voilà, c'est on le prend pas en compte dans pas du tout. les Il ne fait pas du tout parmi les fondements du droit, mais son exégèse est bien sûr très estimée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a une autorité. Elle fait autorité dans le sens où elle a du poids, bien sûr. Mais il n'y a aucune école qui dit Tabari a dit, donc c'est notre avis. Ça n'existe pas, ces trucs-là. à fait. Ça n'existe pas. Alors, on Ouais, vas-y, continue. excuse-moi. Ouais, vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Ou imam ou docteur ou autre théologien. Donc vous avez la position de ne pas adhérer aux quatre écoles parce que les quatre écoles sunnites généralement prennent en considération Cheikh Al-Mutasirin Tabari comme quelque chose de sérieux, c'est-à-dire limite rejeter Tabari, c'est quelque chose de grave. Par exemple, je vous ai aussi posé la question sur l'ijma, sur le consensus des quatre écoles. S'il y a des sujets sur lesquels Mon les frère, quatre écoles, Amir, oui, Amir, oui. essayons d'aller dans l'ordre. Parce que là, on glisse d'un sujet à un autre. C'est-à-dire les quatre écoles,
considère, alors attention, les quatre écoles sunnites n'ont pas du tout un type de rapport par rapport au tafsir qui soit de dogmatique. Non, pas du tout. Ça, d'accord. Hadith sahih, sinon. Attendez, parce que là vous mélangez les sujets. Donc moi, non, j'ai bien compris. Ok, ils le prennent pas comme une position dogmatique les tafsir. C'est pas une position ni dogmatique ni très bien de diviniser le propos. Ce qui est normatif, ils le considèrent comme normatif. Ce qui est historique, ils considèrent qu'il faut en considérer l'histoire. Très bien. Et est-ce que c'est la même position concernant les hadiths sahih? D'ailleurs, dans l'introduction du tafsir de Tabari, Tabari invite à ce que regardez, Tabari va dans la démarche de recenser, par exemple, des hadiths, voilà, donc des narrations à propos du prophète ou des atars à propos des compagnons, voilà, qu'on réfugie les compagnons, sur tel événement, par exemple, s'il y a eu une bataille avec les polythéistes, etc. Et ce qui va donner le contexte des raisons de la révélation, la plupart du temps, en général, c'est par rapport aux versets de guerre, etc. Bon. Mais d'un point de vue de la science du hadith, on peut remettre en question l'authenticité des hadiths. Et Tabari va se placer justement dans cette posture de moi, je recueille, moi, je relis les éléments que j'ai à ma disposition, mais si après, effectivement, les éléments que j'ai sont pas authentiques, corrigez mon tafsir, améliorez-le. Il ne s'est jamais, déjà lui-même, il ne se positionne pas comme référence, et les savants sunnites des quatre écoles ne peuvent pas le considérer comme une référence absolue. Évidemment que non, ce n'est pas vrai. Tabari, on peut le remettre en question sur les hadiths qu'il a pu prendre en compte, puisqu'il n'était pas dans une posture de grand muhaddith qui va analyser toutes les chaînes de transmission. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Vas-y, William. Non, mais juste, ici, toi, bon, tu tombes sur Tariq Ramadan qui connaît. Effectivement, quand tu dis c'est comme ça dans l'islam sunnite parce que At-Tabari a dit, il faut savoir que l'exégèse que font les savants du Coran ne devient pas forcément l'avis des écoles juridiques qui représentent le droit islamique en islam. Donc, c'est pas du tout comme ça que ça marche. D'ailleurs, si vous regardez ce qu'on appelle Usul al-Fiqh, les fondements du droit islamique, ce sur quoi se basent les écoles juridiques pour établir un statut normatif, dire ceci est obligatoire, ceci ne l'est pas, etc. Bref, vous pouvez aller dans tous les usuls, il n'y a aucun fondement qui s'appelle l'exégèse. Le fondement s'appelle le Coran. Le fondement s'appelle le Coran, et on va te dire, on utilise le nom. Alors, on peut s'appuyer sur ce que des exégètes ont dit, bien sûr, mais le mujtahid, le savant qui est capable de faire l'ijtihad, de faire cette analyse des textes, il n'est pas du tout obligé de dire « Ah non, bah, si At-Tabari a dit, alors c'est cuit, hein, je ne pourrais plus rien dire. » Pas du tout. At-Tabari, d'ailleurs, alors, At-Tabari, c'est un peu différent, parce que lui, il avait même fondé sa propre école. Donc, c'était un mujtahid mutlaq, pour le coup. Donc, il était très, très compétent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est estimé. C'est parce que ce n'est pas simplement un exégète. C'était un mujtahid mutlaq qui avait les compétences de fonder son école. Mais force est de constater que son école, il y en a d'autres il y a d'autres savants qui ont fondé la leur avec une autre approche, une autre fondement. Donc, ce que dit At-Tabari, c'est son avis. Mais Malik, Abu Hanifa, Ahmed, Shafi'i, Al-Thawri, Al-Nakha'i et d'autres ne sont pas du tout obligés de suivre. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Totalement. C'est-à-dire, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Parce que, par exemple, dans ces hadiths, on peut trouver énormément de hadiths qui parlent, par exemple, quelque chose que vous connaissez certainement, de l'âge de Aïcha lors de son mariage et de la consommation. On peut trouver, par exemple, le had de Rida, c'est-à-dire la peine de l'apostasie, sur laquelle il y a un consensus chez les quatre écoles. Du coup, est-ce que pour vous, personnellement, vous prenez en considération les hadiths sahaha? Je vais juste répondre aux deux questions qui restent, et puis après on s'arrêtera, parce qu'avec vous, il faudrait qu'on ait une autre session où on parle de... Clairement, oui, effectivement. Effectivement. Là, parce que vous avez une question qui vient après l'autre. Vous avez posé deux questions, trois questions. Vous avez posé la première sur les tafsirs. Vous avez posé une deuxième question sur l'ijma. Tout à fait. Sur l'ijma, vous avez effectivement un certain nombre de savants qui ont considéré que l'ijma était pratiquement au niveau de quelque chose qui était pareil. C'est-à-dire que quand tous les savants se sont mis d'accord, c'est qu'à une période donnée, c'était comme si c'était le texte qui le disait. Or, tous les savants ne sont pas d'accord là-dessus. Bon, déjà, vous avez une position qui est déjà assez critique, c'est Shafi'i, donc un des représentants d'une des quatre des écoles dont vous parlez. Et puis, il y a
très tôt des savants qui ont mis en évidence que par rapport à l'Ijma', qui est le consensus de savants à un moment donné de l'histoire, peut de ce point de vue-là, avec de nouvelles connaissances, être remis en cause parce qu'il n'est pas le texte qui dit les choses clairement, il est le silence des textes interprétés collectivement. Ou les textes qui peuvent être remis à Chahabé, c'est-à-dire à la conjecture. Donc, je considère que l'Ijma' reste une porte ouverte à la recherche fepriya, c'est-à-dire du droit, et que ça n'est pas décision qui est du même ordre que le qata'i du texte. Ça, c'est la deuxième question. La troisième des choses concernant les hadiths del Bukhari, muslim, où il est mis en évidence effectivement que pour la majorité des quatre écoles, tout ce qui vient del Bukhari et muslim est considéré comme authentique et indiscutable. De ce point de vue, vous avez, et même chez des savants qui sont des savants de très 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 haut niveau, des considérations où il faut nuancer cette approche-là, et vous avez ça même chez Al-Albani, donc qui est le Muhaddis al-Qarn du XXe siècle, et donc qui met en évidence, faut faire attention, parce que l'authenticité de l'isnad, c'est-à-dire de la chaîne de transmission, n'a pas encore forcément dit l'authenticité absolue dans la matière de hukm par rapport au metn, c'est-à-dire du contenu. Et que même par rapport à la question de l'âge de Aïcha, moi je l'ai mis dans le texte que j'ai écrit sur le prophète Aïssatou Assalam, qu'en fait l'âge avait été discuté assez tôt d'ailleurs par des reconstructions historiques, de mettre en évidence que Aïcha était plus âgée que cet âge-là de ce point de vue. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que votre position, faut que vous fassiez attention, parce que ça n'est pas parce que vous discutez avec des jeunes imams ou avec certains imams. Non, c'est pas ça. Alors, en fait, moi, je me base, par exemple, sur des références comme Umdat Salik, comme des livres de fiqh, dans lesquels le consensus est clair, par exemple, sur Zawaj Sarera, le mariage des petites filles, est halal, justement, grâce à ça. Non, ne dites pas le consensus est clair. On peut analyser déjà ce qu'a dit Tariq Ramadan. Oui. Il a dit que le Sanad, les chaînes de transmission, faut expliquer pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'un hadith récolté par Bukhari, c'est un tel a dit, qu'un tel lui a dit, qu'un tel lui a dit, qu'un tel lui a dit. Il faut vérifier toutes les compétences et honnêteté et compagnie des gens et qui sont vraiment rencontrés, bref. On peut avoir une chaîne de transmission qui est... parce que Bukhari, ils ont bossé que là-dessus. Ils se basent que sur les chaînes de transmission. Oui. Une chaîne de transmission peut être vérifiée, mais pas l'authenticité de ce qui est rapporté, en fait. Oui. Donc, voilà, ça serait bien de développer un peu là-dessus. Oui, bien. Deuxième point... Concernant celle, parce qu'il parle de l'âge de Aïcha, en fait. Ah oui, c'est vrai que t'as bossé sur ça énormément. Il y a Maestro Verardi, par exemple, avec son collectif d'historiens, de gens qui étudient l'histoire, mm-hmm. eux ne sont pas d'accord avec l'âge de Aïcha, d'après les sources islamiques. Okay. Voilà, ils pensent que ce sont les Abbassides qui ont abaissé l'âge pour la rendre plus pure. Peut-être par rapport aux chiites, tout ça, pour la rendre vierge. Ce qu'a dit Maestro. Mais autre point, ça c'est personnel. Hein. Moi je dis ma théorie, la seule que je trouve valable, c'est juste moi. Hein. C'est par déduction. Hein. Je ne suis pas savant. Ouais, mais on sait très bien qu'il y a de multiples hadiths avec des chaînes de transmission totalement différentes qui légitiment, qui disent que l'âge de Aïcha, quand le mariage a été consommé, elle avait 9 ans, hein, les 6, 7 ans et 9 ans. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ils ont tous cherché à disqualifier Hicham ibn Urwa, sauf qu'il n'est pas dans toutes les chaînes de transmission. Il n'est pas dans toutes les chaînes, ce n'est pas vrai. La seule, alors, moi, j'ai une interprétation personnelle de bon gaulois de base très rare. Terre à terre, mais la seule personne qui apparaît dans toutes les chaînes de transmission, c'est Aïcha. Et il se voit, connaissant les femmes, sachant que soi-disant elle est morte à 67 ans, peut-être qu'elle en avait 77, beaucoup de femmes un peu âgées, tout ça, trichent sur leur âge pour paraître plus jeunes et tout ça, et qu'il se pourrait que par coquetterie, hein,
ça c'est mon interprétation, je suis un peu vicelard, mais que par coquetterie, elle ait cherché à se rajeunir et que par effet domino, et ça l'amène à avoir une consommation de son âge à 9 ans, quoi. Voilà. C'est une interprétation d'un mec lambda qui étudie un petit peu les chaînes de transmission et cette histoire-là. Bon, après, les gens, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'aime bien cette idée-là, qu'elle ait été coquette et qu'elle ait voulu tricher sur son âge quand elle était dans un âge avancé, et au moment où les gens lui posaient des questions. Parce qu'avant, les gens s'en foutaient. Vas-y, William. Ah, ouais, je voulais juste revenir sur trois points, rapidement. Ouais. Le Bukhari Muslim, déjà, parce qu'il a évoqué le statut des hadiths et Bukhari Muslim. Donc, tout à l'heure, on a dit déjà, bon, différents, certains ont mis en avant plutôt le Mouattal l'imam Malik. Bref, bon, ça, c'est des petites divergences. Il faut savoir un truc qui n'est pas souvent su, parce qu'à un moment donné, Tariq Ramadan, ben, ça se voit qu'il connaît quand même, puisqu'il cite Al-Albani, et c'est vrai, Al-Albani a remis en question certains hadiths al-Bukhari muslim. On va me dire que c'est un contemporain, mais ça, c'est quelque chose qui a été fait aussi par des savants bien avant Al-Albani. Dharqutni, par exemple, c'est quelqu'un qui, dans l'un de ses ouvrages, a consacré en gros son ouvrage à la critique d'al-Bukhari. C'est un sunnite. Le Mustadrak de l'imam al-Hakim, il est construit sur la critique d'Al-Bukhari. Là, on a un savant qui a composé un Mustadrak, donc aussi un recueil de hadith basé sur la critique du recueil d'Al-Bukhari. Et al-Hakim également critique. Exactement. Et Ibn Hajar et al-Bukhari, c'est un al-Hakim, c'est un sunnite également. Et Ibn Hajar, il est c'est certainement le savant le plus célèbre. Et le plus connu en tout cas pour avoir commenté en Fathul Bari le recueil d'Al-Bukhari. Au total, d'ailleurs, Ibn Hajar rapporte qu'on a critiqué, selon lui, selon l'estimation ou selon ses connaissances, plus de 200 hadiths en tout chez Al-Bukhari muslim, dont près d'une centaine juste chez Al-Bukhari. Alors, 100 sur 7000 et quelques, ce n'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. D'autres estiment qu'on est quasiment à 400 hadiths critiqués en tout chez Al-Bukhari muslim. Mais encore une fois, même 400 sur plus de 7000 hadiths juste pour Al-Bukhari, puis on est à peu près sur les mêmes eaux, sur les mêmes chiffres concernant muslim, ça reste une très petite minorité. Mais malgré tout, ça veut dire que la critique, pourquoi je dis ça ? Simplement pour mettre en avant que le fait de critiquer ce que Al-Bukhari rapporte, ça existe chez les sunnites depuis des siècles. Voilà. Et on ne s'est pas gêné. T'as dit quoi ? Non, c'est juste que je suis en train de montrer les livres. Oh, oui, les ouvrages, c'est des tomes. Voilà, par exemple, la Fath al-Bari, c'est le commentaire sur Al-Bukhari, tu as vu, des tomes, $400, ça coûte. Et ceux qui veulent acheter Silsila al-Hadith, ce qui est considéré comme ça par Albani, c'est quasiment $400. Voilà, c'est tout cet homme-là. Et à côté, c'est lui que tu as cité, c'est lui, c'est Al-Mustadrak al-Sahihain al-Hakim. C'est lui. C'est ça, oui. Voilà. Vous voulez acheter, c'est à 234. Allez-y. Ah, juste, c'est pour dire que, la critique. S'il te plaît, un instant. Les amis, parce que moi, je ne peux pas m'acheter ça, c'est en arabe et tout. Mais sur le Tipeee, mets le lien dans le chat, Régulus. Oui, sur le Tipeee de Régulus, vous mettez, donnez chacun, chaque personne qui nous écoute, mettez 382,80$ qu'il puisse acheter et partager à tout le monde, à nous, à William aussi, hein, les ouvrages en question. Voilà. Vous avez compris qu'il y a du boulot derrière ces vidéos. Ça paraît c'est improvisé, c'est à l'algérienne, on a compris. Hein. Mais il y a du boulot, il y a du gros taf derrière. Régulus, Ruyette, William font du gros taf. Donc, les amis, pensez à liker, à partager et à faire des dons, même 1 euro vaut mieux plutôt que de mettre 50 balles, mettez 5 euros, mais mensualisez sur le Tipeee de collectif Exmuse. Vraiment, ouais. les gars, allez-y, parce qu'il y a du taf, c'est du boulot, c'est vraiment du travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, merci. Merci beaucoup. Vas-y, je te fais. Ouais, donc en fait, je voulais simplement mettre en avant le fait que, contrairement à l'idée que des fois on peut laisser entendre dans certains débats, non mais Satan, c'est Al-Bukhari là, oh, tu peux pas discuter, bah non. Alors bien sûr, c'est pas monsieur tout le monde qui va discuter, on est d'accord, mais Al-Bukhari, son ouvrage, son sahih, son recueil,
n'a pas été exempt de critiques dans l'histoire de l'islam, bien au contraire. Il y a plusieurs savants sunnites qui se sont consacrés à la critique de son recueil. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'estimaient pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne le respectaient pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas estimé que c'était une révélation divine et que c'était un truc intouchable, etc. Au contraire, ils ont critiqué plusieurs dizaines, voire centaines de hadiths de ces recueils Bukhari Muslim jusqu'à un contemporain qui est Al-Albani. Deuxième point, c'était sur, à un moment donné, Tariq Ramadan, qui connaît aussi son sujet, évidemment, parle du fait que l'ijmar peut être remis en question si on a de nouvelles données. Pour ça, c'est, premièrement, c'est vrai, plusieurs savants qui l'ont évoqué. Tu as même t'as eu un débat à un moment donné, parce qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de divergences sur le consensus, et l'une des divergences, c'est ce qu'on appelle la limite temporelle pour l'effectivité pour que l'ijmar devienne effectif. En gros, à partir de quand peut-on dire qu'il y a consensus d'une génération? Et que est-ce que il faut attendre que cette génération décède pour que le consensus devienne effectif ou pas? Alors il y a plein de questions qui se posent. Hein. C'est à partir de quand tu fais commencer une génération de savants? Parce qu'ils sont pas tous nés la même année. Donc tu peux pas dire la génération de ils sont tous nés à des années différentes. Alors bien sûr pas forcément beaucoup d'écart, mais où tu commences et où tu t'arrêtes pour dire ça c'est une génération de savants premièrement. Mais quand tu regardes les avis de Fiqh, les avis des savants, je veux dire, tu as un avis, on va dire, majoritaire qui dit que l'écoulement de toute l'époque de la génération des savants n'est pas une condition pour dire, voilà, le consensus peut être pris en compte. Et effectivement, comme l'a dit Tariq Ramadan, si tu vas prendre les avis de l'imam Ahmed ou de certains chefs et autres, eux, ils considèrent qu'il faut que l'époque soit totalement révolue, en quelque sorte, que toute la génération des érudits ait disparu, pour que cette fois-ci, on puisse dire le consensus est un argument. Parce qu'ils disent que le savant en question, qui a donné son avis... Ah oui. Donc ça c'est là, ça montre, tu vois, que si tu n'as pas un peu cette technicité-là, face à quelqu'un qui connaît un peu mieux, tu pourrais être mis à mal. Puis troisième élément, l'âge de Aïcha. Ce qu'a dit Bébert, ou ce qu'a dit le collectif là qui s'occupe un peu d'avoir une posture un peu plus historique sur tout ça. Alors si on prend la posture historique, c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur ce truc-là, mais il y a un hadith qui est authentique chez les sunnites et qui peut tenter de venir un petit peu consolider cette position qu'ils mettent en avant. C'est le hadith dans lequel le prophète a refusé à Abu Bakr et à Omar sa fille Fatima et il donne la raison, il dit parce qu'elle est trop jeune. Il la donne à Ali qui était plus proche. Il la donne à Ali, parce que l'écart d'âge entre les deux n'est pas très élevé. Alors qu'il était beaucoup plus élevé avec Abu Bakr et Omar. Donc, par exemple, ça, c'est un hadith qu'on n'entend pas souvent, et qui est pourtant aussi authentique chez les sunnites, et qui peut peut-être indirectement venir appuyer certaines thèses. En tout cas, là où on voit qu'Amir, par exemple, est aussi précis dans ce qu'il dit ici, il fait attention de bien parler de l'ijmar des quatre écoles. Voilà, c'est ça. Il est précis. Pourquoi il est précis? Parce qu'il sait très bien que s'il s'embarque dans le ijmar des savants, de tous les sunnites, machin truc, il va se faire taper dessus. Mais là, il est précis, à juste titre, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Amir, c'est pas du tout un novice. Donc, il parle bien du consensus des quatre écoles sur le sujet. Sachant que, et d'ailleurs, ça pourrait... Pour ceux qui écoutent et qui se diraient « Ouais, non, mais là, il y a quand même plein de détails, et ça devient la critique devient de ce fait difficile. » Non. Si tu parles du ijmar des quatre écoles, tu es précis. Tu t'es pas embarqué dans une thématique que tu maîtrises pas, le ijmar, le machin, le truc. Tu as dit les quatre écoles, et ça se documente. Et exactement. Et en fait, c'est très simple. Amir, il a raison de tenir sur l'ijmar des quatre écoles. Et là, Tariq Ramadan, à sa place, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il tenterait de faire, ce qu'il va faire, c'est de remettre en question la légitimité des quatre écoles à constituer l'ijmar. En fait, c'est ça. Et là-dessus, il aurait raison, parce qu'il n'y a aucun savant usuli, aucun savant principologiste, spécialiste des fondements du droit, qui définit le consensus au sens shari du terme, au sens... législatif du terme, comme deux points, ouvrez les guillemets, le consensus des quatre écoles. Exactement. Voilà. Mais en fait, pas cette définition-là. Donc, Tariq Ramadan a raison de défendre la nuance, et Amir a raison d'être précis et pas tomber dans l'écueil de le ijmar des savants, alors que, bon, là, pour le coup,
Oui, clairement. On continue, on va voir ce qui va. Attends. Qu'il y a un problème, c'est que vous dites que le consensus est clair et qu'il n'y a pas de consensus. Non, il n'y a pas de consensus. L'IJMAR, de ce point de vue-là, il n'est absolument pas attesté. Justement, Albanie, il dit qu'il y a consensus. Il le dit où? D'ailleurs, Albanie n'est absolument pas sur le sens du consensus de cette façon-là. Donc faites attention, il faut de ce point de vue-là, vous soyez prudent, parce que vous pourriez, vous, commettre la même erreur de ce que ceux auxquels vous vous opposez. Ils vous disent c'est certain, et vous vous dites c'est certain. Et quand on approfondit les choses, on s'aperçoit qu'il y a dans la tradition une richesse qui fait que ce qu'on a considéré comme un consensus ne l'était pas. Et moi, je peux vous dire, pour avoir étudié, moi, vous savez, un de mes chers, alors, ah ben oui, avec qui j'étais en Tu m'as juste trouvé un j'ai pas. Attends, s'il te plaît. T'as dit quoi? Juste un petit détail qui me fait rigoler, c'est que Tariq Ramadan dit à Amir, faites attention de ne pas tomber dans la perte de contraste. En fait, faites attention à ne plus faire de contraste avec ce que vous critiquez. Ça me fait Exact. un peu rigoler. Ouais, Voilà. ouais. Voilà, parce qu'après, Targandon va traiter Amir d'apostat dogmatique, ça m'a fait rire, moi, parce que ouais, c'est drôle, mais à moitié, parce que c'est vrai qu'il faut pas que nous-mêmes nous tombions dans un dogmatisme de la critique et qu'on n'accepte aucun contre-argument sous prétexte qu'on défend une position et qu'on doit rien céder. Vas-y, William, je t'en prie. Ouais, non, Allez. alors là, la réponse de Tariq Ramadan, alors peut-être ça vient du fait, il faudrait que je réécoute, hein, parce que là, peut-être ça vient du fait que Amir a peut-être semblé mélanger à la fois le Ijmaa au sens fondement du droit et l'Ijmaa des quatre écoles. Peut-être que c'est ça qui a, il faudrait que je réécoute, mais ça a peut-être créé une confusion, ce qui fait que Tariq Ramadan répond sur le principe du Ijmaa en disant l'Ijmaa, c'est pas, il n'y a pas d'Ijmaa sur le sujet. Alors que Amir, à la fin, bien précisé l'Ijmaa des quatre écoles. Bon, ici, je pense qu'il y a eu peut-être une incompréhension ou quoi, j'en sais rien. Mais effectivement, si on dit est-ce qu'il y a l'Ijmaa des quatre écoles, la réponse, elle est oui. Là-dessus, je pense que y a pas de débat, à part peut-être si on va maintenant s'intéresser à ce que disent les moujtahides contemporains de l'école. Et ça, c'est pas simple à documenter, je pense, parce que il n'y a pas d'ouvrage de contemporains qui font vraiment autorité dans les écoles comme. Le fait, par exemple, qu'on a dit tout à l'heure, la Moudawana de Sarno ou quoi, qu'est-ce. Donc, c'est pas facile. Tu peux avoir des avis de savants contemporains qui s'opposent, mais déterminer l'avis de l'école aujourd'hui, je sais pas comment. Enfin, ça me paraît un peu compliqué, en fait, parce que comme c'est un. Il y a tellement de monde, en fait, que tu pourrais dire, par exemple, c'est l'avis de l'école malikite du Maroc, par exemple. Là, tu pourrais dire. Oui, Dire c'est l'avis de l'école malikite dans le monde, franchement. Ça me paraît aujourd'hui compliqué, étant donné l'étendue du monde musulman, ça me paraît compliqué de déterminer l'avis de l'école contemporaine sur un sujet. Alors, ce que je voulais simplement préciser, c'est que là, ici, par exemple, Amir, on l'a dit, a peut-être créé une confusion, je ne sais pas, il faudrait que je réécoute, mais en tout cas, en tout cas, il a bien précisé qu'il parlait du Ijmaa des quatre écoles. Il semble que Tariq Ramadan, ici, lui, réponde plutôt sur un autre plan. Il parle du Ijmaa au sens. Au solide du terme en disant non, sur ce sujet-là, il n'y a pas d'Ijma. Et il a raison. Mais ce n'est pas forcément la question, si j'ai bien compris, que lui posait Amir. Il lui parlait des quatre écoles. Donc, peut-être une confusion là-dessus. passé mon temps à prendre 64 Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, hein? questions de prière dans lesquelles j'étudiais les divergences. Les divergences, pourquoi est-ce que je faisais ça? Pour essayer de comprendre de ce point de vue-là, non pas ce sur quoi il y avait consensus, mais comment s'explique la divergence. Et vous voyez de ce point de vue-là que tout ce qu'on nous dit sur le fait, par exemple, quand vous dites l'ijma qu'il faut tuer El Murtad, vous avez dit ça, il y a un ijma sur le fait. Tout à fait. Eh bien, c'est pas vrai. Eh bien, c'est pas vrai. En tout cas, dans les écrits qui sont utilisés. Non, mais s'il y a un savant qui n'est pas Non, ce n'est d'accord. pas un savant. Ce n'est pas un savant. Tous les savants que j'ai consultés, et dont Albani, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, Je ne c'est parle dans. pas de ça, écoutez-moi, mon frère, écoutez-moi. Ouais, Vous dites que vous c'est. m'avez demandé la référence, la source. Attendez, on dit. Albani dans le Mawsu' al-Fiqhiyya. Moi, je ne parle pas d'Albanie, là, je vous dis. Qu'est-ce que c'est l'Ijma? L'Ijma, c'est tous les savants sont d'accord, OK? Tout à fait. Soufiane Essaouri, au 8e siècle, il n'est pas d'accord sur l'interprétation de l'Ijma. Exactement, je sais. Mais Alors, Rayushad. l'Ijma ou pas? C'est D'accord, ça qui juste, n'est pas d'accord. je peux vous le dire, je peux vous répondre. En fait, il y a une règle Répondez. dans Al-Sunna wal-Jama'a, Ar-Ra'yu shadd la yu'khadu bih. Donc, quand il y a un avis divergent, unique, isolé, il n'est pas Est-ce que pris en c'est compte. non? C'est pas il est chasse. Est-ce qu'il est de ce point de vue-là, il a été considéré comme un avis qui était chasse? On peut C'est s'arrêter un là-dessus? savant qui est reconnu dans la tradition musulmane. Oui, mais sur cette histoire-là, Ra'yun shadd. Sur Non, ce sujet-là, Hadd-ar-Ridda. non, pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? Voilà, c'est très très intéressant. Parce que
Il lui dit qu'il n'y a pas de consensus, et c'est vrai. Sofiane Thaouri et d'autres ont dit que pour eux, la peine d'apostasie n'était pas forcément la peine de mort. Tu as même des savants qui ont dit que c'était pas un had, mais c'était un tarzir, c'est-à-dire une peine à la discrétion du juge, en fait. Et donc, il pouvait, certes, condamner, mais pas forcément à la peine de mort. Ça peut être, je sais pas moi, une autre peine, quoi, bref, emprisonnement ou que sais-je. Bon, ça reste critiquable malgré tout. On ne dit pas que c'est pas la peine de mort, donc c'est cool, allez, vas-y, 30 ans de prison. Évidemment que c'est critiquable, et on peut critiquer ça. Mais dire que, et certains ont dit, il n'y a pas de peine de mort. Après, oui. Effectivement, est-ce que c'est l'avis majoritaire ? Non. D'accord. Et donc là, Tariq Ramadan, qui connaît aussi le sujet, lui dit non, il n'y a pas de consensus. Et il a raison, il n'y a pas de consensus sur le sujet. Ah, surtout qu'il y a des salafs aussi qui sont opposés à ça. Par exemple, exactement. Théorie, et même chez les Mortazilas. Voilà, c'est ça, le Hanafit Sarrahi qui dit que tant que l'apostat se repentit au final, il n'est jamais condamné à mort. Tant que le repentir est possible, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça, c'est indéfini le mec qui peut faire. Hein, oui, c'est jusqu'à sa mort en fait. Voilà. Jusqu'à son décès. Et Amir ici connaît la divergence, il sait qu'il y en a qui ont dit non, mais comment il va argumenter en disant là, il y a la vie chève. Ah, là, on est en plein dans le mille, c'est le thématique qu'on abordait. Voilà. Et que lui dit Tariq Ramadan ? Il lui dit, mais qui a déterminé que la vie était chève ? Ah. Et c'est précis ça. Parce que c'est pas à nous, là en l'occurrence, c'est pas à Amir. Ou alors Amir aurait dû dire, voici pourquoi je dis qu'il est chève, parce que les savants, tel, ils citent les sources, disent qu'il est chève. Ok, mais c'est pas ce qu'il a fait. Et donc forcément, quand tu as quelqu'un en face qui lui sait que le chève, c'est pas à toi, moi ou n'importe qui de le définir, c'est les savants qui doivent déterminer qu'il est chève. Et donc, et de quelle manière il est chaise, c'est-à-dire est-ce qu'il est chaise parce que infondé, donc à rejeter, ou chaise parce que minoritaire, mais malgré tout fondé et donc potentiellement à prendre en compte. Quand Tariq Ramadan lui dit que c'est qu'on dit les savants là-dessus, là il est en plein dans le mille. C'est aux savants de déterminer ça. Et si tu sais ça avant de débattre avec Tariq Ramadan, soit tu n'utilises pas cet argumentaire-là, ou soit tu vas chercher au préalable quels sont les savants qui ont dit qu'il était chèvre, et comme ça, au moment où il te pose la question, boum, il dit, voilà, les savants, je t'en cite 2, 3, 4, c'est pas n'importe lesquels, je te cite les bouquins, si tu veux, et voici, eux, on dit, cet avis était chèvre. Ok. Là, dans le débat, ça a son poids, ça a sa pertinence, ok. Mais là, pour le coup, c'est dommage, toi, parce que Tariq Ramadan n'ignore pas ça. Et ça... peut-être qu'il y a des gens qui le prenaient des fois pour un mec qui juste parlait bien, mais bon, faut pas oublier qu'il a quand même étudié la théologie. Mais faut jamais sous-estimer ses adversaires idéologiques, politiques, etc. De toute façon, Tariq Ramadan, il a bossé sur le sujet de l'apostasie. C'est un sujet qu'il connaît très bien. Bien sûr. Mais là, en l'occurrence, c'est la raison quand il dit c'est aux savants de déterminer qu'un avis est chèvre. Et de quelle manière il l'est, qu'est-ce que ça implique, c'est vrai. Donc, si tu viens en disant ah non, parce qu'en fait, là, on comprend que Amir a considéré que comme la vie était minoritaire, donc il ne fait pas le poids face à la majorité, donc il est isolé, on ne le prend pas en compte. Ça, c'est en tout cas, c'est ce que je comprends. Après, peut-être, Voilà, la suite pour voir un peu ce qu'il fait. Parce que vous retrouvez même cette étude, elle a été faite, de ce point de vue, elle a été faite par un certain nombre de savants jusqu'à notre époque. Donc, comprenez bien une chose, c'est que ceux qui veulent dire que l'ijma, il existe, et puis tout à coup, pour dire qu'il existe, ils enlèvent une pensée qui n'existe pas, et bien moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que ça, c'est donc pas un ijma. La preuve que c'est pas un ijma, c'est qu'il y a un avis. Et comme moi, je vais vous dire une chose. Non, il y a toujours eu des divergences. Maintenant, quand il y a un avis qui n'est pas d'accord avec la majorité, il faut l'étudier deux fois plus cet avis pour savoir sur quoi ils l'ont déjà fait, Salaf Saleh et d'autres. Pour laquelle maintenant, vous avez énormément de savants qui reviennent sur cette question et qui reviennent à Sofiane et Sauvry en disant, il y a une autre compréhension. Donc, il faut le dire à Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Parce que tous les représentants de Al-Sunnah ou Al-Jama'a, ils considèrent que l'Ijma'a, c'est quelque chose de sérieux. Bien sûr que c'est sérieux, mais est-ce que c'est à Paris ? C'est ça la question. Bien sûr que c'est sérieux. Il est appliqué. Moi, je vous dis que non. Il est très technique. Là. Les gens ne vont pas suivre. Il dit, est-ce que c'est sérieux ? Bien sûr que l'Ijma est pris en compte, mais est-ce que c'est Qatari ? Ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qui est, en gros, déterminant ? Voilà.
catégorique, Catégorique, voilà, c'est ça. Dont l'authenticité, la fiabilité et l'autorité est catégorique, c'est-à-dire voilà, tu ne peux pas le discuter, la réponse, elle est non. Et effectivement, la réponse, elle est non. Et si d'ailleurs tu demandes à beaucoup de savants contemporains, majorité, est-ce que c'est une majorité, une minorité, il y en a tellement aujourd'hui des théologiens dans le monde musulman sunnite que c'est compliqué d'avoir un rapport comme ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu demandes à moult théologiens contemporains sunnites la peine d'apostasie, beaucoup te diront que non, la peine de mort ne s'applique pas. Ou alors beaucoup te diront, d'ailleurs même Al-Qardawi, pourtant à bien des égards, il a été critiquable sur plein d'aspects, mais même lui considérait qu'il fallait plutôt comprendre l'apostasie condamnable à ses yeux comme étant le fait d'apostasier et de devenir rebelle en voulant renverser l'État, etc. etc. Et cette notion de rébellion. Alors que dans les écoles, quand si tu lis la Risala dans l'école malikite ou la Moudawana de Sahnoun ou autre, on ne va pas te rajouter le bari, la rébellion. On va juste te dire l'apostasie, c'est le passer de la foi à la mécréance, point. Si tu fais ça, qui est rébellion ou qui n'est pas, ça mérite la peine capitale. Et d'ailleurs, cette notion de rébellion, elle s'appuie sur des juristes anciens, justement, comme Sararsi, Aoudaï, qui font cette distinction, Nahaï aussi, qui peut aussi envoyer à cette notion de est-ce qu'il est rebelle contre la communauté, est-ce qu'il a pris les armes contre nous, ou est-ce qu'il s'est détaché de la foi, parce qu'il est allé vers le christianisme, vers le judaïsme, on peut lui pardonner de laisser passer. Voilà, à la rigueur, on le bannit, mais on ne le tue pas. Voilà, c'est ce qu'on a tué. Pas automatique. Par exemple, pour éviter cet écueil-là, en une phrase, pour éviter de tomber dans ces détails-là, si tu te contentes juste de dire les quatre écoles sont d'accord sur ça, tu as dit une chose vraie. Les quatre écoles, elles ont un poids indiscutable dans le monde sunnite depuis des siècles et aujourd'hui. Et donc, tu peux critiquer l'idéologie sunnite dominante qui véhicule encore dans ses enseignements aujourd'hui, même en France, que un apostat mérite la peine capitale. Et donc, tu peux éviter cet écueil avec un discours qui est beaucoup plus simplifié, qui est moins généraliste, moins simpliste, en tout cas, oui, moins réducteur, mais t'es un peu plus précis dans ton propos et tu évites qu'on puisse te répondre tout ça. Tout à fait, c'est pour ça que j'invite tout le monde à ne pas baser à chaque fois la réflexion sur la notion de consensus, mais plutôt, par exemple, la notion de moi intermède, l'avis retenu, voilà, par exemple, en thèse de jurisprudence. Non, parce qu'il fait autorité, voilà, actuellement, voilà, à un temps donné. Dans l'enseignement, etc. À la rigueur, l'avis majoritaire, comme tu as dit, c'est l'avis de la majorité des savants des quatre écoles sur tel sujet. Voilà, c'est bon. Ce que c'est la vie pourrait appeler la vie prépondérant dans les écoles, voilà, qui prépondère sur les autres. Et ça s'arrête là, parce que avancer l'argument du consensus, c'est un argument, c'est un terrain miné, un terrain boueux. Voilà, c'est des sables mouvants. Ça, on va vraiment risquer d'être dans le faux au final. Voilà. Quelqu'un veut parler? Non, la réponse. J'ai entendu le micro. Oui, moi je vais vous souhaiter bonne soirée. Je vais vous laisser là. Pas de souci. Tu veux te dire un mot avant de partir? Un mot? Espoir. Ah, super, magnifique. Oh. Voilà, parce que on en a besoin, des fois. Ouais, bien sûr. Prends soin de toi et dors bien. Et à bientôt, j'espère. Ouais. Merci à vous. Bonne soirée, mon copain. Bonne soirée. Et on se contacte en DM ou en vocal. On est en privé, on est ensemble. T'inquiète. Voilà. Merci à vous. Ciao. Alors, de toute façon, nous aussi, on va bientôt terminer. Alors là, c'est bon, on y va. Mohamed Hamidullah, on est en 1950. Eh bien, il met en évidence dans son livre, dans toute la tradition hanafi, que l'ijmar doit être discuté et discutable. Pourquoi vous n'entendez pas cette voix-là? Pourquoi vous tombez dans le piège de ceux qui vous disent que tous sont d'accord? Vous-même, vous tombez dans le piège de ceux qui vous disent tout le monde pense ça. Moi, ils ne font pas autorité, ces gens-là. Bien sûr, il y en a. Bien sûr, il y en a. Mais ils sont une minorité, ils ne sont pas pris au sérieux. Mais qui n'a pas? Par exemple, quand on va chez l'Azhar ou au Médine ou même au Maroc, ce qui est inculqué, c'est l'ijmar. Mais non, mais ils ne sont pas pris au sérieux parce que vous ne les connaissez pas. Bien sûr qu'ils sont pris au sérieux. Donc moi, ce que je vous propose, mon frère, c'est véritablement dans votre position de faire attention de ne pas tomber dans le piège de ceux qui vous suivent.
C'est que vous avez exactement la même attitude. Non, 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 pas du tout. Moi, j'y crois pas. Moi, je vous dis juste ce que j'ai appris. Et, non, bah, et sur, j'ai appris quelque chose. Je vous remercie. Je vous remercie énormément qu'il y a au moins 21 hadiths concernant le mariage de Aïcha qu'il faut jeter à la poubelle parce qu'ils ne sont pas sahih. Mais attention, ne dites pas ça. Je n'ai pas dit ça de cette façon-là. J'ai dit que non, c'est pas ça. Non, j'ai dit que la question de l'âge est une question discutée, comme certains hadiths ne sont pas de la même authenticité dans l'isnad et le mat, mais que ceci est discuté. Même quand c'est dans Sahih Bukhari et Muslim. Non, mais évidemment, même dans Sahih Muslim, mais bien sûr. Et là, de ce point-là, s'il vous plaît, faites attention à ne pas tomber dans le piège ou dans la même attitude intellectuelle de ceux auxquels vous opposez. Parce que vous pouvez aussi, cher Amir, oui. dogmatiquement apostat. Et ça serait non, pas du tout, vraiment pas. Je suis vraiment preneur de votre avis parce que moi, je sais que vous pouvez avoir un avis différent de Al-Sunna wal-Jama'a. Il n'y a pas de souci. C'est juste, par exemple, sur Zawaj Sagheera, on a un verset Surah Talaq ayat 4, plus Hadith, plus Ijma'a. Oui, on a beaucoup discuté. On se retrouvera, Inch'Allah, sur une autre discussion. Là. Voilà, moi je pense que. Vas-y, tu veux réagir ou pas, William? Non, bah voilà, c'est. Enfin, je pense qu'on a dit plein de choses, mais effectivement. En fait, c'est... moi j'ai remarqué. Après, Amir, je pense qu'il a aussi raison vers la fin. Enfin, il a raison d'insister sur ça. Il a raison d'insister et puis de dire que bon, faut quand même pas non plus. Faudrait pas non plus faire croire que cet avis, ces avis divergents qui sont peut-être plus soft entre guillemets ou plus machin. Ça viendrait rendre caduques les autres avis, comme si ces autres avis étaient tombés complètement dans l'oubli, dans les oubliettes, et puis plus personne ne les enseignait. Malheureusement, alors certes, tu as quand même un certain nombre de savants aujourd'hui, de théologiens musulmans, qui adoptent ces avis-là, qui se basent sur ce que dit Sofiane Thaouri, et c'est vrai. Mais ce que dit Amir quand il dit que les autres qui appellent à la peine capitale sont toujours enseignés, bah, moi personnellement, je peux témoigner que ça, pour le coup, c'est aussi vrai. Et en ce sens, c'est dangereux et condamnable, personnellement. Je ne suis pas parti à l'étranger quand j'ai étudié, je ne suis pas parti en Syrie, je suis resté en France. Mais par contre, tous les professeurs que j'ai eus dans les instituts que j'ai fréquentés étaient des gens qui étaient partis, eux, à l'étranger étudier. Ils étaient partis en Syrie, ils étaient partis aux Comores, ils étaient partis en Mauritanie, ils étaient partis au Maroc, ils étaient partis en Tunisie, ils étaient partis dans plein de pays du monde musulman, étudier auprès des spécialistes. Et quand ils revenaient pour justement transmettre aux étudiants de France la théologie islamique à partir de ce qu'eux avaient étudié avec des professeurs, des chouris, etc. là-bas, et des ouvrages qui servaient de référence, eh ben, tu te rends compte qu'effectivement, ils t'enseignent que la vie des quatre écoles, c'est qu'il faut mettre à mort l'apostat. Et d'ailleurs, la dernière fois, on parlait de Hassan Hamdouni qui avait écrit un livre sur les fondements du droit islamique. Et ce même Hassan Hamdouni qui a étudié à la Zaytouna, par exemple, lui c'est un théologien qui a étudié à l'université islamique en Tunisie de la Zaytouna, par exemple, bah, lui il a écrit aussi d'autres bouquins, notamment un bouquin sur le firq de la prière, la jurisprudence, toutes les règles applicables au chapitre de la prière. Et à un moment donné, dans son chapitre, il va dire une chose qu'on peut entendre chez des contemporains comme Saïd El-Kamali au Maroc, par exemple, il va aborder la question « qu'en est-il de celui qui délaisse la pratique de la prière ?» Donc, la réponse va porter sur deux aspects. À la fois, est-ce qu'il est mécréant ou pas ? Et sur l'aspect, qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Eh bien, ce même Hassan Hamdouni, même si tu sens que dans le bouquin, il est un peu gêné de le dire, mais il le rapporte de manière fidèle en disant que les quatre écoles, bon, elles divergent sur est-ce qu'il est mécréant ou pas. À minima, c'est un musulman fasiq, pervers, etc. D'autres disent qu'il est mécréant. Mais toutes sont d'accord pour dire qu'il mérite la peine capitale. Toutes sont d'accord pour dire qu'il mérite la peine de mort. Ensuite, est-ce qu'il est mis à mort en tant que mécréant ou est-ce qu'il est mis à mort en tant que musulman pervers, ce qui change pas mal de choses parce que ton corps est lavé, d'un point de vue islamique, hein, ton corps est lavé, machin truc, il y a l'héritage, il y a plein de... Mais aujourd'hui encore, au XXIe siècle, t'écoutes Saïd El-Kamali au Maroc, il te dit la même chose. C'est un grand théologien, enfin, c'est un érudit, c'est pas un petit joueur. T'écoutes Hassan Hamdouni, qui est un théologien pareil, lui, qui est plutôt en Belgique, et qui est plutôt dans une tendance, on pourrait dire quand même relativement soft, je mets plein de guillemets, mais, et qui malgré tout on arrive à te dire ça dans son ouvrage en te disant voilà, bah normalement dans un État islamique, voici ce que mérite. Donc Amir, je pense qu'il a parfaitement raison ici de dire attention, c'est bien de rajouter aussi de la nuance, ok d'accord, mais faudrait pas qu'on en arrive à croire que finalement il n'y a aucune raison de critiquer l'idéologie parce que en fait plus personne dit ça. Si
beaucoup de gens disent encore ça, malheureusement, trop de gens disent encore ça et véhiculent ça et enseignent ça. Et les ouvrages médiévaux de droit islamique servent encore aujourd'hui de référence, font encore autorité pour apprendre l'islam aux jeunes musulmans ou aux moins jeunes au XXIe siècle, y compris en France. Exactement. Moi, juste avec ça, vraiment, en dire, j'ai eu un de mes professeurs, par exemple, qui est revenu en France, monter son école et enseigner. Il avait passé 6 ans en Syrie, 10 ans en Mauritanie. Il est revenu avec ce que ses professeurs lui ont transmis du droit islamique. Et il a écrit son propre manuel, en gros, d'études, qui est un commentaire des ouvrages de référence, parce que c'est ce qu'il a fait dans ses études. Bah, le mec, il t'enseigne au XXIe siècle que l'esclavage, c'est halal, le djihad de conquête, c'est une obligation, la peine d'apostasie, c'est la peine de mort, l'homosexuel, machin, bref, tout ça, il te l'enseigne. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'on peut être très, très précis, très factuel, pour montrer pourquoi on critique ça, parce qu'on ne veut pas d'une religion qui enseigne ces choses-là aux gens, dans notre société, dans notre pays, qui abrutit les gens avec des idées comme ça. Par contre, ça n'empêche pas, tout en étant très critique et très, avec une critique même acerbe sur ce qui se passe, de mettre de la nuance et d'être honnête intellectuellement quand on rapporte un sujet. Exactement. Des fois, c'est un peu long, c'est juste pour être précis, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais à la fin, c'est tout. Je vais donner mon mot, puis je vais laisser Béber, et puis je te donnerai le mot de la fin, en retour, et on clôturera le live. Mais en fin de compte, ce qu'on peut retenir de la soirée, qui est très fructueuse avec de beaux échanges sur le faire et sur une analyse de fin avec Tariq Ramadan, c'est qu'effectivement, donc la nuance, l'apport en tout cas de détails, justement le discours exhaustif qu'on peut avoir sur les textes islamique ne doit pas non plus vous dire que l'islam est impossible à critiquer dû au fait qu'il y ait plein de divergences, dû à la technicité de certaines terminologies juridiques. Au contraire, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est quoi? C'est que l'enseignement, que ce soit au Maghreb, dans le monde musulman, ou même dans le monde non musulman, mais à travers les instituts islamiques, propage le plus souvent un islam dit traditionnel classique. Voilà. Donc, c'est les avis majoritaires, c'est les avis prépondérants chez les Malikites, chez les Hanafites, enfin, par exemple, les mosquées turques, les mosquées maghrébines, qui vont propager chacun à leurs écoles, vont enseigner ça. Il y a aussi les Salafis wahhabis qui font un très gros travail aussi de propagande et de prosélytisme, qui eux aussi ont leur cheptel, voilà, avec leurs avis aussi prépondérants, au niveau de leur minhaj, de leur voie, jurisprudentielle aussi. Et à partir de ce moment-là, nous, notre rôle, c'est justement de venir et de pointer justement du doigt ces figures d'autorité et de les renvoyer contre eux-mêmes et de leur dire, écoutez, vous prétendez avoir l'alpha et l'oméga de la vérité en islam, pourtant il y a ça et ça et ça et ça. Regardez dans les détails ce qui se passe. Ça, c'est à notre niveau. Enfin, nous, par exemple, des gens comme moi, des gens comme William, parce qu'on connaît les détails techniques. Mais les gens qui ne veulent pas se tracasser, contentez-vous, il n'y a aucun souci, de, face à Salafi, de présenter des avis de Ibn Baz, de Al-Albani, de Denin, de présenter des hadiths sahih, mais toujours rester dans un coin de votre tête, conscient que cette critique-là est très limitée et que le jour où vous voudrez passer à autre chose, il faudra assumer un bagage intellectuel un peu plus poussé, un peu plus avancé, plus important, et surtout, William, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut préciser. On peut pas débattre avec un Salafi comme on débat avec un Ramadan. Je suis désolé. Moi, je peux utiliser l'argument de Albani face à Ramadan. Je trouve que c'est très malvenu, c'est mal amené. Voilà. C'est même hors sujet, j'ai envie de te dire. Voilà. Ramadan n'est pas dans une approche Salafi. Donc, ramener comme argument d'autorité, des Salafis, ça va pas le convaincre. Ça va pas le heurter. Ça va pas le mettre en difficulté, le corneriser. Voilà. D'un point de vue argumentatif. Il faut viser sur d'autres références, peut-être Cordawi, peut-être Hassan al-Banna, peut-être ça paraît plus. Voilà, elle m'a doublé, peut-être, voilà. En tout cas, Béber, puis William, tu finiras toi le mot de la fin. Béber, tu veux réagir? Tu veux une petite clôture? Béber? Non. Peut-être qu'il est en train de faire autre chose. William, vas-y, je te laisse le mot de la fin, je t'en prie. Ouais, écoute, je vais faire... je vais être très... Tu m'entends? Oui, on t'entend bien, vas-y.
Je vais être très succinct. Merci pour cet espace d'échange. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter ou qui écouteront même par la suite. Et puis, j'espère que finalement, tout ça, ça permette de faire avancer les choses, quoi, dans le bon sens. Voilà, c'est juste l'objectif. Hein, c'est pas de critiquer pour critiquer. On n'est pas dans ça. Mais voilà. Non, pas du tout. Bénéfique pour la suite. Écoute, super. Hâte de te revoir, hâte de te réinviter. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir.